Refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com. Le débat high-tech numéro 1 en France cette semaine. Back to the Mac, on va parler du Macintosh, d'iTunes, du nouvel iMac. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Après plus d'un an sans mise à jour, le tout nouvel iMac est enfin disponible. Que penser de cet ordinateur tout en un qui brille par son extrême finesse, de son écran géant et de ses capacités d'évolution rikiki? Quid de Fusion Drive pour doper ses performances? Quel avenir pour l'ordinateur de bureau? Sans oublier, retour sur la version 11 d'iTunes qui est également enfin arrivée. Et n'oubliez pas de participer au concours organisé par notre partenaire Qobuz, le site de téléchargement et de streaming musical haute fidélité, vous propose de gagner 10 albums en qualité Studio Master, soit une qualité supérieure au CD, en répondant à la question posée en fin d'émission. On refait le Mac épisode 121, l'iMac est là. Avec comme chroniqueur cette semaine, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, il fait froid dehors, on est bien content d'être là. Je suis comme toutes les semaines relégué dans la lingerie. Mais t'es puni maintenant, ça y est, c'est fini. Bah voilà, ça y est, c'est fini. Les jouets, c'est plus pour toi. Non, le sommeil non plus. Ça viendra, t'inquiète pas. Mais ça va revenir. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode précédent, Cédric est l'heureux papa d'un petit Oscar, voilà. Mm-hmm. Qui est très beau, qui est magnifique, qui va très bien, qui prend du poids, je tiens à rassurer tout le monde. Mon fils, mais, il est bon mon fils. S'il pouvait dormir un petit peu plus, ce serait formidable. D'autant que la semaine était lourde cette semaine, parce qu'il y avait le web à Paris. En fait, oui, regarde, j'ai gardé le bracelet, moi, dis donc. Et vu que Rodrigo n'est pas là, c'est moi qui ai sorti le whisky, voilà. Rodrigo est coincé au web ce soir. Donc mais japonais, parce qu'on n'est pas des beaufs, quoi. On n'est pas des sauvages. Tu mets pas le whisky dans le biberon, hein, façon bretonne. T'inquiète pas. Il y a la maman qui veille, t'inquiète pas. Celle qui vient de prendre la parole, c'est bien sûr Fanny Bouton, notre atout charme dans Refait le Mac. Bonjour Fanny. Bonjour. De fannysparty.com. Ça va bien Fanny? Bah écoute, ça va très bien. Bonne semaine, pareil, un petit tour au web, des petits coups de cœur de là-bas et tout et tout. Ah bah écoute, ça, on est raccord pour une fois. Et dernier chroniqueur récurrent dans Refait le Mac, c'est cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué, bien sûr. Un visage marqué. Il est marqué aussi. Non mais elle est excellente. Et toi aussi. Tu l'as fait exprès, avoue-le quoi. Non. Il s'agit bien sûr de Monsieur X. Comment ça va Monsieur X? Monsieur X. c'est un cauchemar. Ouais, d'accord. C'était son coup de cœur la semaine dernière, à savoir bien sûr AC/DC. Monsieur X, faut arrêter. Ouais, bah écoute, ça va aussi bien que AC/DC sur iTunes et les ventes qu'ils doivent faire, ils doivent se régaler. Je suis vraiment. Oui, tu parles. Bon, ben voilà, il faut vous mettre à iTunes pour ceux qui ne connaissent pas iTunes, surtout à AC/DC. iTunes, ça a une transition. On va un petit peu en parler parce qu'enfin, ça y est, la dernière version d'iTunes. Logiciel de téléchargement de musique, d'application qui permet de gérer tout votre environnement autour d'iOS est arrivé sur Mac et sur PC avec du retard. On s'attendait à beaucoup de révolutions en matière de fonctionnalités. Hein. Apple en avait beaucoup insisté lors de sa dernière présentation, c'était jeu de mémoire, lors du lancement de l'iPhone 5, la présentation de l'iPhone 5. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas énormément de changements profonds, c'est plutôt du cosmétique, plutôt de l'interface. Monsieur X, qu'est-ce que vous en avez pensé concrètement? Alors, après une semaine d'utilisation avec un peu de recul, j'ai essayé de chercher quelle était la raison principale à ce changement. Et effectivement, c'est à mon avis ce qui a été annoncé, c'est-à-dire une fusion des interfaces ou un rapprochement des interfaces, pardon, décidément, entre le Mac et l'iPad. Voilà, ça c'est mon premier constat. Après, c'est un phénomène auquel on assiste depuis longtemps. En fait, on s'aperçoit que l'interface c'est la même, en gros, hein, dans les grandes lignes, que celle de l'iPad, effectivement. Ouais. Après, en termes de delta de fonctionnalité, il y a du plus et il y a du moins. Alors le moins, moi je l'ai remarqué parce que c'était des choses que j'utilisais, mais c'est peut-être pas important pour tout le monde. Il y a notamment la fenêtre de prévisualisation qui a été retirée. Vous savez, quand on passait sur un média, en bas à gauche, on avait la jaquette ou la vignette d'une vidéo. Ça a disparu et je trouve ça assez chiant, mais je pense que ça a été fait parce que ça a permis de gagner en rapidité. Cette version est beaucoup plus rapide. Et puis globalement... Accessoirement, monsieur X, monsieur...
Monsieur X, il n'y a plus ce qui était vraiment la dernière évolution graphique majeure qui avait été même intégrée dans d'autres applications et qui était, c'est partie de la charte graphique des rendus d'Apple, notamment dans Léopard, souvenez-vous, c'est CoverFlow, ça a disparu d'iTunes. Ouais, bah Dieu merci, parce qu'on en avait un peu ras-le-bol de CoverFlow. Donc ça, non, je ne l'ai même pas remarqué. Moi, c'est surtout cette prévisualisation qui m'embête. Il y a un autre truc, moi je suis fan de séries TV, j'en ai acheté beaucoup et puis j'en ai importé beaucoup dans iTunes. Il y a pour moi ce qui est un bug au niveau de la gestion des séries TV. On n'a plus maintenant les séries TV qui font l'objet en fait d'une série par saison. Ils ont tout mis, toutes les saisons d'une seule série TV sous un même chapeau. Donc on perd les pochettes différenciées par saison et même les pochettes différenciées par album. Ça, c'est assez chiant, mais si l'objectif principal, c'est de rapprocher les high bidules du Mac, moi, je pense que c'est objectif rempli. Et puis quand même, c'est stable, c'est plus rapide, il n'y a pas de bug. Espérons que ça soit un pas de tir pour maintenant mettre des nouvelles fonctionnalités. Voilà, il n'y en a pas, mais on ne comprend pas trop pourquoi d'ailleurs Apple a tant tardé à le mettre à jour, ce logiciel. Cédric, tu en as pensé quoi ? Ce que disait M. X, à savoir cette volonté de rationalisation entre les deux interfaces iOS et OS X, on sent qu'Apple tâtonne. Là, on voit bien que peut-être un Jonathan Ive, qui vient d'être nommé à la fois à la tête du design matériel et logiciel, a peut-être sa vision à apporter, là, parce qu'il tâtonne encore. Hein. Je c'est pense encore que l'ancienne c'est, un, équipe, c'est hein. un peu court, c'est ça. Hein. Ce qu'on voit là, c'est le produit de l'ancienne équipe. Très honnêtement, je l'ai téléchargé, j'ai passé très peu de temps dedans. Donc, de fait, oui, on y voit ce qu'on a vu dans le dernier iTunes mis à jour sur iOS. Oui, moi, je m'attendais à des nouveautés. La nouveauté, c'est le reboot, en fait, le reboot de l'interface, une certaine unification. Pour l'instant, c'est pas bien abondant, quoi. Mais ça va permettre de. Non, mais c'est intéressant et c'est vachement important parce que ça va quand même permettre d'apporter des nouveautés dans une nouvelle interface. Déjà, elle rebootée, de pas d'empiler des nouveautés sur une interface qui déjà un peu croulait sous la masse parce qu'elle a quasiment pas changé depuis le début, quoi. Ouais. Sachant qu'il est possible de downgrader hein, cette interface, hein, de la remettre un petit peu, retrouver un petit peu l'interface telle que vous la connaissez avant, pour ceux qui ont peur de perdre leurs habitudes. Fanny, tu voulais dire quelque chose ? Moi, pareil, ça se passe bien finalement. Au début, j'étais un petit peu perdue, je cherchais où était mon iPhone, mon iPad quand je l'ai branché. Oui, tout a changé. Bon, j'ai pas mis longtemps, mais voilà, c'est vrai que sur les premières minutes de prise en main peuvent perturber un petit peu, mais bon, ça c'est juste une habitude. Ce que j'ai vraiment constaté, c'est tout ce qui est chargement de vidéos, de musique, etc. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus rapide. Je sais pas vous si vous l'avez constaté, mais vraiment télécharger un épisode de série, ça prend plus que 5-6 secondes à certains moments pour 300 mégas, alors qu'avant c'était plus long. Ouais. Monsieur X, on peut penser que l'arrivée d'un logiciel comme iTunes aujourd'hui, c'est un non-événement, mais quelque part c'est véritablement une application vraiment, vraiment stratégique au sein d'Apple, notamment, on en a parlé en préparant cette émission, pour garder captif, je dirais, les utilisateurs d'iPhone et d'iPod et d'iPad aujourd'hui. Ouais. Il faut se rappeler que après 2001, donc en 2002 ou 2003, iTunes était vraiment le logiciel que Steve Jobs et Phil Schiller brandissaient en permanence, puisque c'était l'illustration de ce qu'ils appelaient à l'époque le hub numérique, à savoir le logiciel au travers duquel on connectait à son Mac tous ses appareils et à travers lequel on pouvait charger des médias, échanger des médias, modifier des médias. Voilà, donc ce logiciel, il est clé non plus pour les mêmes raisons aujourd'hui, il a été clé dans les années passées parce que c'était le lieu où on pouvait acheter des médias avec l'introduction de l'iTunes Store à partir de 2003-2004 en Europe. Aujourd'hui, il est clé parce qu'il y a l'extension cloud au niveau du service musical notamment. Ce n'est pas encore dispo pour les clips vidéo, ça l'est un peu pour les films. Et l'autre changement qui apparaît en fait dans cette nouvelle version d'iTunes et dont on n'a pas beaucoup discuté, c'est une supposée meilleure intégration de iCloud avec macOS. Ce qui est très certainement le cas, ce qui explique aussi peut-être les impressions de rapidité qu'a eu Fanny. En revanche, en termes d'usage pour l'utilisateur final, l'intégration de ma bibliothèque iTunes avec iCloud, surtout si on ne l'avait pas utilisé avant, ça paraît pas plus simple
ou explicite. C'est toujours un peu compliqué comme concept à comprendre et un peu compliqué à utiliser. Et puis, Apple n'en a pas profité pour combler son retard. Exemple de base qui, moi, m'intéresse, les clips vidéo. On ne peut toujours pas les mettre dans le cloud, ces clips vidéo, si on ne les a pas achetés chez Apple. Sur et ça, chez Apple. Ouais, c'est quand même vraiment... Un gros caillou dans la chaussure, quoi. Ils avancent pas là-dessus alors que le reste du monde avance. Alors, on s'attendait... Oui, Fanny, on s'attendait, j'ai Fanny. J'ai une petite question d'un auditeur. J'ai Chabot Mathieu qui demande « Est-ce que pour vous, iTunes 11 serait un test de l'interface avant de la lancer en tant que Finder ?» Oui, d'autant plus, comme je disais tout à l'heure, Fanny, iTunes a inspiré l'interface d'OS 10, notamment avec Coverflow, qui depuis a disparu dans iTunes. Messieurs, à votre avis, est-ce qu'en clair, l'interface des futures versions de macOS 10 va s'inspirer de cette fenêtre et de cette mise en page type d'iTunes? C'est déjà arrivé, il y a eu des précédents chez Apple. Ça y est, j'ai l'impression d'être un vieux con parce que j'ai envie de te dire « Oh non, s'il te plaît, non, touche pas à l'interface, touche pas au Finder, il fonctionne très bien comme ça. » Quand on voit ce qu'a fait Windows, Microsoft avec Windows 8, ils ont été beaucoup plus loin en matière de rupture d'habitude. Oui, mais ils avaient beaucoup plus besoin. Ouais. Moi, je connais peu de gens qui sont, tu vois, foncièrement mécontents de l'interface de leur Mac. Je l'ai dit souvent, hein, j'ai assez peu de vergogne à passer d'un iPhone à un Android, voire même à un Windows Phone 8. En revanche, j'avoue que mon Mac, il faudra l'arracher de mes mains. Voilà, il faudra me passer sur le corps, en gros, pour me le voler. Fanny, un peu de tenue. Et non, le Finder, il fonctionne, quoi. Il est assez puissant comme ça, j'ai pas envie. Tu vois, moi ça me rappelle les débuts du Macintosh où j'étais pas client, moi j'étais plutôt PC parce que je trouvais que le Mac... je trouvais que le Mac c'était un peu comme un, tu vois, un vélo. Ça s'appelait comment ton Mac à l'époque déjà? Il s'appelait PC Magazine. oui, on se refait pas. Mais non, mais à l'époque j'étais vraiment pas client du Mac parce que pourtant il y en avait plein à la rédaction, évidemment. Il disait ça ne marchera jamais. Non, pas du tout. Mais l'interface ou ça, pour moi c'était un peu comme un vélo pour enfant, tu sais, où tu rajoutes les roues, les petites roues sur les côtés. Ça a rien, le terminal. Il y a le DOS, c'est mieux. Sinon que sur PC, tu pouvais retirer les petites roues. Sur Mac, c'était plus dur. Et ce serait quand même triste qu'on retombe à ça, quoi. Ouais. Sous prétexte de simplification. La simplification, à un moment, il faut savoir jusqu'où aller, quoi. Ouais. En tout cas, moi, je me suis amusé. Vous voyez l'ordinateur qui est derrière moi, le vieux cube que j'ai rebranché ici à la rédaction d'iCreate. Il tourne sous Tiger. Et finalement, j'ai redécouvert les anciennes interfaces de macOS 10. Et quelque part, c'est mieux. C'est beaucoup mieux que toutes les couches graphiques qu'ils nous ont rajoutées depuis. Alors certes, il y a un vieux con, Olivier. Oh ah ben ouais, mais c'est plus simple, c'est épuré. C'est complètement dans l'esprit et dans l'ADN d'Apple. Et en rajoutant ces fonctionnalités, cette synthèse pour essayer de se rapprocher d'iTunes, se rapprocher aujourd'hui de iOS, je trouve que ça brûle le message. Et il y a vraiment un un énorme chantier de la part de Jonathan Ive pour justement essayer de réussir ce pari, à savoir de créer cette synthèse entre iOS et macOS, entre le logiciel et le matériel. C'est loin d'être le cas aujourd'hui avec Mountain Lion. Déjà, on a quand même évité l'interface en cuir, en feutrine et en ronce de noyer. Dans l'ensemble, on s'en sort pas mal, je trouve. Et puis GarageBand avec le faux bois autour. Bon, bref, passons. Tu parlais, Monsieur X, du cloud. Oui, effectivement, il y a des progrès en matière de connectivité. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs en termes d'évolution d'iTunes Match, hein, le service de cloud d'Apple qui permet d'avoir à distance sur les serveurs de Cupertino l'intégralité de sa bibliothèque iTunes. De ce côté-là, on n'a rien vu venir et le temps presse parce que de l'autre côté, la concurrence, elle est bien là. Notre parrain est bien passé pour le savoir, à savoir Cobuzz. Non, et puis, sur iTunes Match, rien de nouveau en termes de fonctionnalité, et même rien de nouveau en termes de ce que moi j'appelle de bibliothèque. La première fois que j'ai lancé iTunes Match, moi sur la bibliothèque iTunes, j'avais 6000 chansons. En gros, il y en a 5000, il m'a dit impeccable, elles sont disponibles dans iTunes, donc je te les mets dans le cloud. Et puis, il m'en a rejeté un millier, où il m'a dit désolé, mais on n'a pas de correspondance. Et des trucs vraiment énormes comme ACDC, par exemple, puisqu'à l'époque, ACDC n'était pas sur iTunes. Donc aujourd'hui, ACDC est sur iTunes, mais tous mes albums d'ACDC qui avaient été refusés il y a un an dans iTunes Match...
Non. D'accord. Et bah, la nouvelle version d'iTunes 11 ne les détecte pas aujourd'hui bah ouais, comme disponibles dans iTunes Match. Donc la mise à jour de la bibliothèque de fond, ou on va dire la vérification de correspondance entre ta bibliothèque à toi et ce qui est disponible dans le catalogue Apple, ça aussi, ça n'a pas vraiment évolué. Et donc vraiment d'un point de vue fonctionnalité et catalogue, on est un petit peu à l'arrêt, mais bon, peut-être qu'il va y avoir du plus dans le futur. Maintenant, je rejoins ce qu'a dit Cédric tout à l'heure, rien n'est moins sûr, parce que je pense que le travail qui est présenté là, c'est effectivement le travail de l'équipe précédente, et c'est absolument pas évidemment le travail depuis ouais. l'arrivée de Jonathan Ive à la tête des interfaces. Donc on va peut-être même, au contraire, avoir un temps d'arrêt, le temps que Ive se fasse une idée qui confirme les directions qui avaient été votées avant, ou qu'il les infirme et qu'il repasse sous autre chose, malheureusement. Hein. Petite parenthèse, tu parlais de streaming, Monsieur X. Petit rappel pour ceux qui veulent remporter 5 titres, 5 albums au format Studio Master, c'est format qualité studio offert par notre partenaire, à savoir Cobuzz. Il faudra répondre à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Fanny. Sur Twitter, il y a Jean-Loup Braganti qui nous demande si justement la patte de Johnny Ive, ce serait plutôt pour 2013 ou 2014 carrément. Messieurs, ouais, il va falloir quand même du temps, même s'il a quand même sa petite idée. On sent qu'il a rangé, son frein. Hein, donc, ça reste du design. Hein, donc, c'est pas quelque chose qui est hyper. Tant que ça ne met pas en péril le fonctionnement de base et la navigation typique d'un système d'exploitation, ce n'est pas très compliqué non plus à changer. Ce n'est pas non plus des prototypages comme on le connaît sur des châssis d'iPhone ou de MacBook Pro. Ça peut aller relativement vite, vous ne croyez pas? Je suis d'accord. Et puis, je pense qu'ils vont avoir besoin de montrer des choses assez rapidement. Je pense pas que ce sera pour janvier. C'est un peu court. Et puis, il faut bien qu'ils partent en vacances tous. Mais oui, c'est ça. Juin pour la WWDC. Je pense que là, Johnny Ive va faire le truc qu'il adore le plus au monde, c'est-à-dire monter sur scène. non, parce qu'on rappelle, non, c'est un garçon talentueux, mais plutôt timide. Enfin, c'est très rare qu'on le voit sur scène. Ouais. Et Tu vas voir qu'on va le voir plus souvent. Ouais, je pense que là, on va le voir plus souvent pour nous montrer des choses, des joujoux peut-être. Et puis pour nous montrer du logiciel et de l'interface, je pense que là, voilà, il va avoir besoin de marquer son territoire. Quoi. Monsieur X, ton opinion là-dessus? Je sais pas. Franchement, je sais pas. La logique voudrait qu'ils aillent assez vite, comme le disait Cédric. Après, aller vite, c'est pas dans l'ADN d'Apple. Hein. Il y avait eu un très très bon article qui avait été fait par un ancien manager développement logiciel chez Apple, dont je ne me rappelle plus de la référence, et qui disait, on a une technique de développement qui s'appelle Perfect Mockup ou Pixel Perfect. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire sur chaque morceau d'interface, il faisait jusqu'à 10 variations, mais pas 10 variations en termes d'ébauche. Hein. Il construisait quasiment au pixel près et juste jusqu'au bout, comme si c'était le produit final, 10 variations d'un même design pour pouvoir faire choisir notamment à Steve en finale. Et pourquoi ils allaient jusqu'au bout des 10 pistes et qu'ils se contentaient pas de faire des ébauches? Parce que Steve disait, en gros, pour pouvoir choisir la version finale d'une interface, il faut l'avoir représentée comme si c'était le produit final et vraiment pour pouvoir l'appréhender comme si on allait, entre guillemets, être à la veille de vendre le produit. Si Jonathan Ive continue à utiliser cette méthode de développement qui s'appelle Perfect Mockup, et ben il faut vachement de temps, parce que pour faire 5-10 variations d'une même évolution d'un logiciel, il faut des heures et des heures. Donc s'il respecte cette manière de faire, ça va prendre du temps, bien qu'ils aient besoin de montrer des signes forts. Ouais. Mine de rien, vous l'aurez bien compris, l'arrivée d'iTunes 11, encore une fois, peut paraître un non-événement, mais quelque part, vu l'importance de ce logiciel au sein d'Apple, à la fois pour piloter ses iPhones et ses iPads, et à la fois pour inspirer l'interface d'autres applications, et notamment du système d'exploitation du Mac, c'est pas anodin. Quelque part, messieurs, dames, qu'est-ce que vous en pensez? Cette dernière mise à jour majeure, est-ce que c'est pas quelque part la fin d'un cycle au-delà de l'interface? La fin d'un cycle, d'un modèle, de la période faste dorée d'iTunes qui régnait en maître sur le monde des baladeurs et des smartphones, notamment face à l'émergence d'autres modèles, d'autres magasins d'applications et de vente de musique, et surtout, Cédric, le streaming.
Bah oui, enfin l'émergence, c'est gentil, mais je crois que moi, ça fait combien de temps que j'ai un abonnement payant chez Spotify? Je crois que ça fait 4 ans. On n'est plus dans le stade de l'émergence, c'est-à-dire que, le moteur à vapeur, c'est un peu fini. Ouais. C'est pour ça que j'utilise pas peu, quasiment jamais iTunes. Enfin, j'utilise l'App Store, évidemment, que ce soit sur le Mac ou l'iPad. Pour sauvegarder tes applis, quoi, en gros. Et encore, bah ouais, t'en as pas besoin aujourd'hui. Oui, non, mais ne serait-ce que pour aller choisir les applis, mais iTunes, c'est assez rare. Je l'utilise pour aller chercher des podcasts parfois sur le Mac, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Donc, et ça, c'est amusant parce que c'est. J'ai du coup pas de complainte particulière sur iTunes, vu que je l'utilise pas. Mais ça veut dire que c'est des problèmes à bas bruit. C'est-à-dire que personne se plaint, c'est donc qu'il n'y a pas de problème. Bah oui, mais voilà. C'est comme dans les entreprises où les gens disent, mais écoutez, les gens doivent être ravis avec Microsoft Office, personne ne s'en plaint jamais. Bah oui, évidemment, ils utilisent tous Google Docs, donc personne ne se plaint de Microsoft Office. voilà, c'est pareil, ça fait partie des problèmes graves et à bas bruit. Ouais. Fanny, une petite question notamment par rapport aux solutions de streaming qui pourraient arriver chez Apple, je crois. Alors oui, on a Chris Aigron qui demande, on dit qu'iTunes 11 porte des bouts de la potentielle future e-radio. Pensez-vous que Apple va se lancer dans ce marché ? Alors, iRadio, pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, ou iRadio, ce serait le futur service de streaming, pas simplement un service de radio, mais un service concurrent d'un Spotify, d'un Deezer ou d'un Qobuz. Ça semble dans le sens de l'histoire, Monsieur X ou Cédric. Je pense qu'ils feront une interface ad hoc pour le jour où, ou alors ils l'intégreront comme un service de plus dans iTunes. Il va y avoir un peu de confusion à un moment quand même. Hein. Oui, on voit qu'il y a quand même des modèles où on peut faire à la fois cohabiter le téléchargement et le streaming, on le voit avec Qobuz notamment. Ouais, il y a peut-être quand même un chantier qui est en cours là-dessus, parce que si on regarde l'arrivée d'iTunes 11 et les fonctionnalités, on va dire, moins connues, il y a deux fonctionnalités qui s'appellent Genius et Digimix. Alors Genius, c'est la capacité à partir du choix d'un morceau qu'iTunes vous suggère, une vingtaine de morceaux du même type à écouter, tout ça au sein d'un genre. Donc Genius vous propose en fait des listes de musique à écouter genre par genre en local, et puis il y avait le Mix DJ qui était un petit peu différent et basé non pas sur la proximité de genre avec un morceau, mais plus avec une liste de musique que vous vouliez faire pour écouter vous-même sur d'autres paramètres, des paramètres de nombre d'écoutes initiaux, etc. Et cette fonction DJ Mix qui aurait pu être un embryon de service de streaming, hein. Il suffisait entre guillemets de ne plus la rendre uniquement que locale sur votre Mac ou PC, mais disponible à travers Internet, a disparu d'iTunes 11. Il n'y a plus cette fonction DigiMix, elle n'est plus là. Voilà, alors est-ce qu'ils l'ont retirée parce On va voir arriver quelque chose. Je ne sais pas, est-ce qu'elle était redondante, mal expliquée, redondante avec Genius, mal expliquée, pas utilisée, ou est-ce qu'ils viennent de faire place nette? Elle était aussi redondante. Voilà, avec Ping pour faire autre chose. Question ouverte. Avant de passer à l'iMac, je vous rappelle le concours avec notre partenaire Qobuz pour emporter 5 albums en format Studio Master, le format studio pour les téléchargements de musique, en répondant à la question qui sera posée lors du concours. Enfin, d'émission, passe à l'iMac. Donc, c'est l'événement hardware, l'événement sur la planète Mac. Ça fait beaucoup, beaucoup de temps qu'on n'avait pas vu un vrai, vrai nouveau modèle, un vrai nouveau design, Monsieur X, pour ce Macintosh. Enfin, du nouveau côté Mac, back to the Mac, comme disait feu Steve Jobs. De face, ça ne change pas, mais dès qu'on le met profil, quel claque, Monsieur X. Ouais, c'est un produit absolument magnifique, de par son épaisseur, de par sa forme. Il a dit épaisseur. On ne dit jamais épaisseur. Tu remarques, dans les documents d'Apple, on ne parle jamais de l'épaisseur. On dit il est fin de X millimètres. On ne dit jamais il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a que de la finesse. Pas d'épaisseur. C'est que tout est marqué. Tu vois, c'est comme si je dis je fais 91 kilos de légèreté. C'est beau. Mais c'est qui est vrai, Cédric. Pareil. C'est un gros chamallow. Et puis, les matériaux utilisés, j'ai eu cette même impression qu'avec le MacBook Pro que j'ai entre les mains, d'avoir en face de moi un produit qui est un lingot fait d'un seul et même matériau. Ça donne de la simplicité, ça donne de la robustesse, ça donne une sensation de haut de gamme. C'est très très beau. Voilà. Ouais.
Tu l'as dit, monsieur X qui frappe, donc c'est l'extrême finesse de cet ordinateur, moins de, enfin, 5 mm, hein, mais au bord hein, de l'écran uniquement. Et après, il s'épaissit, il faut le dire, hein, Cédric, au fur et à mesure que l'on se rapproche du centre de l'écran. On était d'ailleurs un peu frustrés lors de la présentation en octobre dernier de l'iPad mini et de l'iMac qu'Apple ne propose pas de vue de dos de ce produit pour avoir une vue d'ensemble. Hein, ils l'ont bien caché, ils montraient que le profil. Et c'est vrai que de dos, il ressemble beaucoup plus à l'ancien modèle. Tu en as pensé quoi, toi, Cédric, ou même Fanny? Elle peut nous dire ce qu'elle a pensé. Fanny a le droit à son avis. Ouais, mais c'est pas ma spécialité, ce genre de produit. Je l'ai trouvé beau, voilà, etc. Après, c'est plus sur la technique, si je vais lancer plein de trucs. Et ça, comme je l'ai pas, j'ai pas pu le tester encore. Ouais, mais en termes de design, je parle. En termes de design, non, en termes de design, il est très très beau. C'est clair que j'aimerais bien avoir un PC avec un beau design comme ça. Tu installes Windows, hein, incroyable. Cédric, toi qui connais bien l'iMac. Ouais, absolument. Il est très beau. Non, mais vraiment, il est très beau. Cette finesse sur le côté, c'est chouette. C'est un chouette beau truc à mettre sur son bureau. La vraie question qu'on va se poser, c'est bien, mais comment dire ? Est-ce que ça va enrayer la migration vers des machines portables ? Ouais, ouais. C'est ça. Allons-y, j'avais réservé ça pour plus tard, mais allons-y. On sait qu'aujourd'hui, le marché de l'ordinateur de bureau a tendance à se marginaliser, il est plutôt réservé aux entreprises. De plus en plus de gens préfèrent aujourd'hui acheter des ordinateurs portables. J'ai les chiffres quelque part, puisque c'était prévu plutôt pour la fin de l'émission, mais je vais les retrouver. Pourquoi je prends la voix de... Bon, bref. Apple a vendu en 2012 4,6 millions d'ordinateurs de bureau, ce qui est quand même pas mal, mais ça ne représente aucune croissance par rapport à 2011, donc ce n'est pas forcément génial pour Apple, quoique beaucoup de constructeurs sont en décroissance, donc ce n'est pas si mal non plus, sachant qu'il n'y a pas eu de nouveautés majeures hein, cette année en matière d'ordinateurs de bureau. Non. Mais pendant ce temps, face à ces 4,6 millions d'ordinateurs, roulement de tambour, Apple a écoulé 18,1 millions d'ordinateurs portables, c'est-à-dire près de 4 fois plus. On peut se demander aujourd'hui, Monsieur X, s'il y a encore un marché pour les ordinateurs de bureau, si quelque part l'iMac, malgré sa cure d'amaigrissement hein, ou de finesse, Cédric, ça va suffire à enrayer ce phénomène. Non, je crois pas. Enfin, je crois pas qu'Apple va faire exception au fait que le marché de l'ordinateur personnel est en décroissance au global. Et c'est vrai à la maison et c'est vrai aussi au bureau. Maintenant, rappelons-nous qu'Apple s'en fiche un petit peu que le marché global du PC diminue. Eux, ce qu'ils veulent, c'est augmenter leur part de marché au sein de cet énorme marché. Et même si le marché baisse de 5%, à partir du moment où ils continuent, eux, à croître, ils sont contents. Maintenant, la difficulté, elle vient un peu de là, parce que pendant des années, là, avec l'arrivée de l'iPod, puis de l'iPhone, puis de l'iPad, il y avait cet effet d'entraînement, le fameux effet halo, qui fait qu'ils vendaient de plus en plus de Mac. Et là, c'est moins en moins le cas. Voilà, et là, ils sont à l'arrêt. Les résultats du dernier trimestre montrent que d'une année sur l'autre, ils ont fait, je crois, plus 1%. En gros, ils n'ont pas vendu un Mac de plus par rapport à l'année dernière. Alors, maintenant, la question est... est-ce que c'est parce qu'ils subissent eux aussi fortement la régression du marché au global, ou est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas de nouveaux modèles? Moi, comme je suis un Mac fan, je vais répondre, c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de nouveaux modèles. Et je crois que là, cette nouvelle ligne d'iMac, bon, il y a toujours la question du prix, va vraiment revivifier les ventes. Et ça reste la machine parfaite pour travailler. Et ça disparaît pas, on a besoin de bosser et les tablettes font toujours pas le job, et puis des fois on a besoin d'un écran et les portables font toujours pas le job. Et en plus la machine est bien travaillée au-delà du design, hein. Si on regarde sous le capot, on pourra en parler, il y a quand même des bons composants avec quelques arrivées attendues comme le fameux Fusion Drive. Ouais, tu parlais du marché des tablettes. Non, alors je disais qu'Apple avait vendu 4,6 millions de Mac de bureau, 18,1 millions de Mac portables, donc de MacBook et MacBook Pro en 2012. Et pendant ce temps, ils ont vendu 58 millions d'iPad, beaucoup, beaucoup plus encore. Donc on voit que l'ère du post-PC, on ne parle même plus d'ordinateur de bureau, on parle carrément du modèle ordinateur. Qu'en est-il du côté du marché du PC, Cédric ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une pertinence à la maison pour ce type de matériel ? On sait que les fabricants de PC sont inspirés du principe de l'ordinateur tout en un. On est loin la tour d'autrefois. Hein. Bah oui, mais les fabricants de PC, ils ont fait ce que tu appelles de tes voeux depuis des années. Ils ont fait la même chose, mais en tactile. Je voulais que tu le dises. Si c'est moi qui dis, personne ne m'écoute.
Et tout à coup, c'est vrai que comme machine familiale qu'on se partage, quitte à les mettre dans des pièces à circulation comme des jolies cuisines ou le salon, et bah, ça fait sens parce que la taille des écrans fait que c'est un mini téléviseur que tu as devant toi quand tu es à 25, 26, 28 pouces, etc. Un beau téléviseur. C'est un chouette téléviseur pour regarder les photos ensemble, etc. Donc c'est une expérience qui est différente de celle de machine plus personnelle qu'on a au jour le jour. Donc c'est dommage parce que c'est vrai que ça coûte pas grand chose de rajouter du tactile. Alors pour l'instant, Apple, et je peux le comprendre, estime que c'est incohérent de mettre une interface tactile sur un écran parce que, enfin, pour toutes les raisons qu'on s'est déjà dites mille fois. Mais c'est dommage. Parce que c'est surtout si on veut fusionner les deux interfaces, c'est vrai. Exactement. Et je dois dire que j'étais le premier quand ces premières machines sont arrivées. Je crois que c'est HP qui avait dégainé le premier à dire. Ouais, vous êtes sûr. Et après, j'ai rencontré des gens. Moi, quand je vais dans des magasins, je parle aux vendeurs. Et j'ai vu des vendeurs en grande distribution qui m'ont dit « Ah non, mais attendez, vous rigolez, c'est génial. » On monte la machine, on nous dit « Oh, l'écran, il est vraiment gros. » Et après, on dit « Oui, mais regardez, vous cliquez avec le doigt et ça fait ça et vos photos, elles sont là. Oh putain, génial, ça coûte combien ? 800 euros, super, vendu. » Voilà. En tout cas, c'est un bon argument de vente. On ne sait pas si les gens l'utilisent au quotidien, mais en tout cas, c'est un super argument de vente. Voilà. Avec Windows 8, de toute façon, ça va se généraliser. Le menu à la souris, les tuiles, c'est pas trop pratique. Ouais, c'est pas trop fait pour. Voilà. Alors, on parlait de un petit mot sur le design puisqu'il a été démonté par le célèbre site iFixit. Bien sûr, la finesse, elle est due au fait qu'il y a beaucoup de composants qui ont disparu, notamment le lecteur optique, le graveur DVD, le super drive, comme on l'appelle dans le monde Apple. Ce sera une perte que pour Monsieur X, donc tout va bien. Lui qui aime bien. L'autre fait qui peut expliquer l'extrême finesse, c'est évidemment l'arrivée de composants d'ordinateurs portables, à savoir notamment le disque dur propre à un ordinateur portable. Quelque part, Cédric, c'est un ordinateur portable sédentaire aujourd'hui, cet iMac. C'est amusant parce que moi, la première machine tout en un que j'ai vue comme ça, ça date, attention, les plus jeunes d'entre nous n'étaient pas nés, ça date de 97, si mes souvenirs sont bons, et c'était Panasonic qui avait fait ça. Vraiment, tu vois, le truc avec l'écran dans le monde PC, ça n'existait pas. À l'époque, on avait l'iMac translucide, Bondi Blue et tout ça. Donc, cathodique. Mais là, c'était une machine LCD. Ça coûtait une fortune absolue, et pour cause, parce que les composants à l'intérieur, c'était le meilleur de la crème de ce qui se faisait de mieux en composants portables, en panneaux LCD, etc. Faut imaginer qu'à l'époque, un écran LCD 20 pouces 4 tiers, ça coûtait 20 000 francs, c'est-à-dire 3 000 euros. Enfin, ça coûtait de l'argent. Une fortune, hein. Ouais, une fortune. C'est ce qu'il les vendait chez Apple, rassure-toi. Voilà. Il n'y en avait pas encore chez Apple. Apple, on était encore au cathodique. Donc voilà, la même chose aujourd'hui, 15 ans plus tard, les choses n'ont pas vraiment changé. C'est la même chose, forcément, tu veux affiner, tu vas chercher des composants qui sont plutôt du monde du portable, même si les processeurs se sont quand même largement améliorés pour arriver à avoir depuis, il n'y a plus forcément de grandes différences de perf. Mais l'autre chose que nous a appris les différentes photos et même de iFixit lorsqu'ils l'ont démonté, et également les différentes vidéos qu'on a pu trouver sur le web, notamment chez OWC, c'est qu'on pensait que l'iMac était de loin l'ordinateur le plus difficile à maintenir, à mettre à jour, à pouvoir échanger des composants, notamment la mémoire. Et bien c'est encore plus difficile, monsieur, que ce modèle-là. Sur l'entrée de gamme, on ne peut même plus changer la barrette. Et pour accéder aux composants, il faut carrément, tenez-vous bien, démonter l'écran qui est collé à l'instar de l'iPad aujourd'hui. Alors, question toute bête, monsieur X, parce que c'est une question récurrente qu'on nous pose systématiquement des collègues journalistes. Est-ce que c'est, concernant Apple, est-ce que c'est une forme d'obsolescence programmée ? Alors, non. Je vais m'expliquer. Mais j'espère aussi qu'on parlera des belles nouveautés de cette machine Fusion Drive, l'écran est rétroéclairé par LED. Bon, alors pourquoi c'est pas de l'obsolescence programmée ? Apple, je vais le répéter une énième fois, vise les marchés haut de gamme. Ça veut dire quoi ? Les gens qui ont de l'argent. Bon. Les gens qui ont de l'argent, ils vont changer leur Mac qui leur a coûté 2500-3000 euros tous les 3 ans en moyenne. D'accord ? Et c'est ça qu'ils visent. Et ce qui dynamise ce marché des gens qui sont prêts à mettre 3000 euros dans un bel iMac pour le mettre chez eux et le changer tous les 3 ans, c'est pas le fait qu'il y ait un risque d'obsolescence programmée et que la machine dure 6 mois de moins de prévu, etc. C'est le pouvoir d'attractivité de la nouvelle machine. D'où l'effort est mis dans le design.
Et on voit que là, il y a énormément d'efforts au niveau du design, des composants et d'un certain nombre de choses. Il a bien bossé, Jonathan. Voilà. Mmh. Donc, Apple, sa dynamique de marché, elle est là, de là à séduire des gens qui ont du pouvoir d'achat. Donc, ils ne vont pas faire du design avec de l'obsolescence programmée en disant « On va régler les composants, acheter des composants de moins bonne qualité pour qu'ils tombent en panne en moyenne au bout de 2 ans et demi et que les gens en rachètent. » Il n'y a pas de volonté de programmer l'obsolescence. La dynamique de marché est absolument pas là. Donc, il faut arrêter ce fantasme. L'obsolescence programmée est une dynamique de conception chez beaucoup de constructeurs, pas chez Apple. Et l'histoire de la mémoire qu'on ne peut pas changer, c'est là. Voilà, c'est là parce que tu le disais, c'est plutôt un design de carte mère d'ordinateur portable où les mémoires sont soudées et donc ça c'est repris pour l'iMac. Il y a peut-être une petite volonté. Pas pour le 21 pouces, c'est un peu plus compliqué que ça, monsieur. Ouais. Il y a peut-être une petite volonté marketing un peu vicieuse qui est, on sait très bien vu le prix auquel. N'achetez pas l'entrée vend, de gamme. Ouais. Apple, ces barrettes mémoire, que si tu laisses le choix aux gens, 100% des gens vont acheter un iMac quasiment sans mémoire et acheter des barrettes et les mettre, et ça c'est pas bon pour le chiffre d'affaires d'Apple. Ça peut causer des bugs et des problèmes, voilà, parce que c'est une des causes principales des kernels panique, hein, les barrettes mémoire de moins bonne qualité, or le Mac est réglé comme une horloge, et les voilà les causes pour lesquelles tu peux pas mettre à jour la mémoire. Peut-être du marketing, une question de design et de mise en place de composants, et surtout de finesse du châssis. Si tu veux permettre de changer les barrettes, il faut une trappe, c'est plus de complexité en termes de design, plus d'accessibilité. Voilà. Maintenant, ça fait chier beaucoup de gens, notamment les gens comme mon frère aîné, qui est administrateur dans une agence de communication, qui a l'habitude de passer peut-être de 30 employés à 60 pendant ce qu'on appelle les périodes de charrette, les périodes de forte activité. Et quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il est malheureux. Il appelle son revendeur et il loue des Mac entrée de gamme. Il en loue 30 d'un coup. Quand il le faisait, il avait l'habitude de louer 30 Mac d'entrée de gamme et puis d'acheter via son revendeur des barrettes d'upgrade parce que ça allait lui coûter moins cher de louer un Mac d'entrée de gamme dans lequel il remettait des barrettes que des Mac en payant le prix des barrettes au prix fort. Donc tous les gens qui utilisent des iMac un peu en volume dans leurs entreprises, oui, il y en a encore quelques-uns, ça va les faire chier. Mais une fois de plus, ce n'est plus la cible d'Apple. La cible d'Apple, c'est toi, c'est Fanny, c'est Cédric, c'est moi, c'est les médecins, les gens qui ont un peu d'argent et qui sont prêts à y mettre 2 500 €. Et là, je te jure que le fait de pouvoir mettre à jour ou pas les barrettes dans un entrée de gamme, mais dans cette population-là, mais au mieux, les gens s'en foutent. Ça passe à l'as. En général, ils n'en ont même pas connaissance. Ouais. C'est vrai que le prix de la mémoire sur le site d'Apple, c'est du vrai racket. Petite parenthèse. Mais de là quand même, Monsieur X a utilisé. Ben oui. De là, Monsieur X a utilisé un Mediator, hein, cet instrument qu'utilisaient les guitaristes pour pouvoir jouer et gratter les guitares. C'est du jamais vu. Cédric, utiliser un Mediator pour ouvrir un ordinateur et gratter, enlever la colle. Du coup, ils ont pour réduire la finesse, l'écran, la dalle est collée également au vert. Donc si vous ébréchez l'écran, il faut tout changer. Hein, donc voilà. Bah ouais, mais de toute façon, c'est de plus en plus, de manière très claire, même sur des machines maintenant de bureau, c'est pas des machines dans lesquelles t'es destiné à intervenir toi-même. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, c'est dommage parce qu'il y a des choses simples. C'est-à-dire que les geeks vont disparaître, c'est ça, Cédric, on pourra plus nous-mêmes bidouiller nos machines, c'est fini ça. Bah ouais, moi je me souviens de l'ancienne génération de MacBook où tu pouvais dire attends, moi j'ai eu un SSD pas cher, je vais le mettre, je vais le coller à la place du lecteur DVD, tu vas voir. Et bah oui, mais c'est fini ça. Et il y a une innovation vachement bien dont on n'a pas parlé, c'est sur l'écran. Alors il y a le rétroéclairage LED. J'essaie de le voir, mais j'ai pas réussi à le savoir. Il aurait fallu que je demande à Apple, tout simplement. Si c'est parce qu'il y a deux façons de faire du rétroéclairage LED, il y a soit du edge LED, c'est-à-dire tu mets des LED sur les côtés de l'écran en espérant que ce sera assez uniforme. Et bon. Si je te donne la marque du LED, ça t'aide ou pas? Vas-y. Apparemment, ce serait LG qui fournirait les LED. Bah, ils font tous, ouais. Et alors, c'est probablement du edge LED, mais sinon, il y a ce que font certains constructeurs sur des dalles haut de gamme au Japon, où là, ce sont des LED qui sont sur toute la surface de l'écran, et ça permet en plus de faire varier le rétroéclairage zone par zone selon ce que tu es en train d'afficher. Donc là, c'est beau, mais d'ordinaire, ça nuit à la finesse de l'écran. Donc, je pense que à tout choisir. Apple a dû prendre du edge LED, d'autant que ça consomme moins d'énergie aussi. Apparemment, les premiers tests montrent que l'écran est de meilleure qualité que l'ancienne génération. Mais Sûrement, d'autant que, et c'est là que je vais rechercher la page du site Apple, ils expliquent qu'il y a maintenant 75% de reflets en moins sur l'écran. Ouais. Et, comme, d'accord. Comme quoi ?
Comme les MacBook Pro Retina. Comme les derniers MacBook Pro Retina. Donc, le fait de rapprocher la dalle de voilà, il y a une couche en moins entre l'écran et la dalle. Et encore une fois, Fanny le dira comme moi, il y avait quelque chose assez à tech cette année à Tokyo. Ouais. C'est Sharp qui montrait une innovation qu'ils appelaient l'œil de mouche, en expliquant que la texture des écrans avait été faite avec un truc qui ressemblait à l'œil de mouche et qui donnait plus de clarté et moins de reflets. C'est-à-dire en gros la même clarté, le même contraste qu'on avait sur les écrans très brillants d'avant, mais sans les reflets qui vont avec, en tout cas dans ces proportions-là. Je pense que c'est de là que ça vient. Alors je vous rappelle le concours, hein, notre partenaire Cobuzz vous offre 5 albums de qualité Studio Master à remporter en fin d'émission en répondant à la question. Tout à l'heure, soyez attentifs, la question, la réponse, elle est au début de l'émission ou tout au long, vous verrez. D'ailleurs, il faudra que je donnerai tout à l'heure le gagnant du concours. Il faudra me le rappeler, les gars, hein, je le donnerai tout à l'heure. Soyez attentifs aussi. L'autre bonne nouvelle, par contre, il y a quand même une bonne nouvelle dans ce démontage d'iMac par nos petits copains de iFixit aux États-Unis, c'est que, aux surprises, messieurs, dames, cet iMac serait assemblé, on peut le voir à l'arrière, au dos de la machine, c'est inscrit, aux États-Unis, là, les bras montants, c'est quand même quelque chose que notamment Barack Obama exigeait ou avait demandé auprès de Steve Jobs. Et il avait reçu, bien sûr, comme dit-on, lettre morte. Et il ne communique pas là-dessus. C'est très étonnant, cette histoire. C'est étonnant qu'il ne communique pas là-dessus. Là, j'avoue que c'est tellement... ça fait partie des simili-reproches récurrents, même s'il ne faut pas se mentir. Je suis prêt à parier que même s'ils en avaient la volonté, aujourd'hui, on ne pourrait pas, aux États-Unis, assembler de l'iPhone 5. Ils n'ont pas le background technique, ils n'ont pas le savoir-faire pour le faire, ils n'ont pas les lignes de production. C'est triste à dire. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Eric Schmidt, le patron de Google, qui, vous savez, on dit oui, il faut réindustrialiser l'Amérique, etc. Mais vous savez, de plus en plus, les gens font le choix de la Chine parce que la Chine a la capacité, le savoir-faire. Maintenant, c'est pas juste, ils n'ont pas juste des bras et des bras moins chers qu'aux États-Unis. C'est plus vraiment en matière de tech, en tout cas. Donc, du coup, oui, qui rapatrie aux États-Unis l'assemblage assez simple et rapide de machines qui sont chères et qui efface donc la différence du coût horaire de la main-d'œuvre. Ça me paraît être un. C'est un chouette geste, voilà. Reste à voir si c'est tous les modèles. En gros, il y a deux modèles, hein, l'entrée de gamme et le haut de gamme, différenciés par la taille d'écran, mais il y a des variations qui sont faites selon les processeurs. Reste à savoir si ce sont les quatre modèles, hein, selon qu'on prend la subdivision écran-processeur, qui sont assemblés aux États-Unis ou seulement certains modèles, par exemple pas les modèles standards, mais les modèles où vous allez demander certaines customisations. Reste à savoir aussi quel est le niveau d'assemblage. Est-ce que c'est prendre l'iMac et le mettre dans un carton et mettre la doc ou est-ce que c'est effectivement assembler le châssis et l'écran? Je pense qu'ils ne communiquent pas parce que peut-être aussi, ça c'est ma dernière hypothèse, que les premiers iMac en termes de livraison sont assemblés aux États-Unis, puis une fois que la demande va être forte, ils passeront sur un assemblage en Chine. Donc, c'est un peu plus industriel. Toute la production, et ils ne sont pas encore conformes. Mais moi, je dis, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un produit haut de gamme, comme je le disais. Je suis désolé, hein, mais c'est un produit pour les riches, l'iMac, hein, parce qu'un ordinateur à 2 500 €, c'est un produit pour les riches. Et à partir de là... Le haut de gamme, monsieur. Le haut de gamme. Oui, mais même... Ce qui commence à 1349 quand même. Hein, et normalement, si on est bien organisé, même un produit à 1 500 €, il y a de quoi l'assembler dans des pays comme les États-Unis et l'Europe, où la main-d'œuvre est un peu plus chère. Donc ça va dans le bon sens et il faut le saluer. J'espère qu'Apple fera école. J'ai une question. Il y a les trois qui dit justement, est-ce que l'iMac finalement n'a pas le meilleur rapport qualité-prix du catalogue des Mac actuels, hein? Donc est-ce qu'il est cher, mais finalement est-ce que ça en vaut le coup, quoi? Alors, par rapport à un MacBook Air, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'un MacBook Air, ça vaut moins de 1 000 € aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'originellement, l'iMac n'était pas forcément Monsieur X. Et c'est toi qui les vendais, donc c'est quand même un paradoxe que tu dises ça. Ce qui a fait le succès, ce qui a sauvé Apple de la faillite, souvenez-vous, Monsieur X, hein, le premier iMac, c'était un ordinateur qui n'était pas cher. Hein. Il était un peu plus cher qu'un PC, d'accord, mais il n'était pas très cher. C'était vraiment l'ordinateur pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, le Mac pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde par rapport au modèle professionnel. Et qu'Apple s'est un peu perdu par rapport à cette définition-là. Alors de là à dire qu'aujourd'hui, il a un bon rapport qualité-prix,
Est-ce que le design, est-ce que la qualité d'assemblage a un prix aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, par rapport à ce que c'était la philosophie même de l'iMac à son origine, on y est loin aujourd'hui. Bon, on est loin du modèle tournesol qui coûtait une vraie fortune et qu'Apple a fait des progrès en termes de rapport qualité-prix depuis, mais ça reste quand même un modèle assez premium, à mon avis. Mais bon, ça ne vaut que pour moi. En tout cas, ce qui est intéressant de savoir pour finir sur ceci, c'est que cette faculté d'assemblage, d'après, aux États-Unis, apparemment d'après le site 9to5Mac, ce serait le site de Grove en Californie qui a subi, d'ailleurs on voit une photo satellite, qui a subi d'importantes modifications qui permettraient aujourd'hui d'assembler certaines séries de produits d'Apple. Est-ce qu'Apple, comme le disait monsieur, va faire le choix de lancer des petites séries pour des modèles en début de carrière et qu'au fur et à mesure que le produit se démocratise, ce sera la grande série en Chine? Je ne sais pas. On verra. On a la réponse très vite. En tout cas, c'est étonnant qu'il ne communique pas là-dessus. Dernier point, Monsieur X, concernant l'iMac, tu en parlais tout à l'heure, à savoir l'argument marketing qui tue en dehors du design, bien sûr, qui fait l'effet waouh quand on voit l'iMac, c'est bien sûr Fusion Drive. Comment il s'appelle? Phil Schiller, le vice-président d'Apple, nous a fait un pataquès lors de la présentation de l'iMac autour de Fusion Drive, en disant que ça allait tout révolutionner. Déjà, mauvaise surprise, c'est pas livré en standard, c'est une option, monsieur X, c'est une option salée, 250 €, mais c'est quand même une technologie intéressante, le fait d'avoir d'un côté, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, un disque dur classique, où on stocke toutes ces données, et de l'autre, un SSD qui, lui, stocke toutes les données importantes, redondantes, les copies de fichiers, le système qui permet d'accélérer la machine. Là, c'est une vraie bonne idée marketing, puisque c'est possible depuis très longtemps de le faire, mais aucun constructeur, monsieur, n'y avait pensé. Là, on voit encore la petite touche marketing d'Apple sur ce point-là. Ouais. Sauf que c'est une option. Ouais. Alors, j'ai honte pour toi, Olivier, quand tu penses que c'est une innovation récente et une innovation d'Apple, et j'ai honte pour Phil Schiller aussi. Hein. Non, mais c'est pas dit ça. Ça existe depuis. Ça existait auparavant, mais c'est le premier constructeur qui pense le vendre sous un format de marketing. Mais bon, Qu'est-ce qu'il y a sous cette techno? Non, mais tu as raison, c'était juste pour te charrier. Qu'est-ce qu'il y a sous cette techno? Bah, un constat simple qui est de dire le SSD, c'est super, mais c'est quand même très très cher au mégaoctet. Donc, des gens comme Seagate, par exemple, notamment pour les ordinateurs portables, ont sorti il y a quelques temps, même déjà quelques années, des disques hybrides où tu avais dans un même boîtier du SSD, un peu, et puis pour le 90%, 95% du stockage, des plateaux entre guillemets classiques. Ça s'appelait les fameux disques hybrides. Moi, j'en ai acheté, j'en ai mis dans mes MacBook Pro quand on pouvait encore un peu les bidouiller. C'était il y a de ça 2 ou 3 ans. Et le principe était simple, c'était de dire, il y a un peu d'intelligence dans ce disque hybride. Le disque hybride, au fur et à mesure, entre guillemets, apprend, voit quels sont les fichiers les plus utilisés. Et ces fichiers les plus utilisés, il les met en quelque sorte en cache dans la partie SSD. Et ça permet au global d'avoir des performances plus vives pour l'ordinateur, parce que les fichiers les plus utilisés sont dans la partie où on accède en lecture et en écriture de manière plus rapide. Bon, en gros, c'est la technologie hybride, on va dire, vue de manière simpliste. Qu'est-ce que fait Apple? Ils reprennent ce concept, d'accord? Mais en plus efficace quand même, monsieur. Mais là, certainement. Il y a deux disques. En plus efficace. Alors, ce n'est pas simplement de la mémoire couplée à un disque dur, c'est deux disques durs en parallèle. Voilà, en disant, écoute, cette fois-ci, on a deux disques durs, un flash drive et un disque dur normal. Aussi certainement au départ pour des questions de prix, parce qu'il y a un besoin de stockage de plus grand, et eux, ils avancent au niveau de la technologie flash, il n'y a plus que ça quasiment dans leur portable, mais ils sont limités en termes de capacité à proposer. Donc, ils mixent les deux pour pouvoir avoir le mieux du stockage en termes de quantité et le mieux de la performance. Et puis, une fois de plus, ils mettent un peu d'intelligence par-dessus. Et pour avoir une performance maximum au total des deux technologies, il y a ce système, entre guillemets, de cache intelligent qui dit « ça, ce sont les fichiers que vous utilisez le plus souvent. Ils sont dans la partie flash drive de la machine. » Et puis, quand vraiment vous avez des grosses données à manipuler qui sont utilisées que de temps en temps, ou du stockage pur à faire, on les met dans la partie disque dur, on va dire, normal. C'est plutôt intelligent. Là où je souris de Phil Schiller, c'est que Apple, là où ils sont très bons, c'est toujours en termes de storytelling. Ces technologies et ce concept, ils sont là depuis assez longtemps, ils le mettent à la sauce Apple. Moi, je ne l'ai pas testé sur le nouvel iMac, mais ça marche sans doute très bien. Et surtout, ils mettent un nom. Pourquoi? Parce que les choses n'existent véritablement que quand elles ont un nom. Ils nomment les choses Fusion Drive, et ils espèrent imposer ou Retina Display, quand voilà, même, c'est un modèle de marketing. Imposer là, Apple comme l'inventeur de ce concept. C'est malin, mais c'est un petit peu à deux balles en termes de technique marketing, quoi. Bon, c'est l'homme du marketing qui dit ça. Et c'est un ancien homme du marketing d'Apple qui nous dit ça. Ouais. Dernière question peut-être, Fanny, question Twitter. Il y a Philippe Pipeter qui demande justement si l'un des chroniqueurs va-t-il craquer pour le nouvel iMac, et si oui, quelle config?
Oui. Ah ouais, M. X, il n'arrête pas de. Non, mais c'est ça qui est quand même schizophrène. C'est M. X, il a démonté la politique marketing d'Apple, il a démonté l'iMac, mais il va l'acheter. C'est ça qui est là. Je suis allé en voir, hein. je l'ai à peine touché. Voilà, faible, M. X. J'avais de la sueur sur le front. Voilà. Là, sa femme, Colombo, Madame Y, qu'on surnomme ainsi très affectueusement la sortie Manu Militari de l'Apple. Ouais, en même temps, si tu ramènes, tu vois, à ta femme ou à ton mari d'ailleurs, hein, iMac comme cadeau de Noël, je sais pas si tu vois, il te reçoit les bras ouverts, ça reste de la techno, c'est quand même pas véritablement un cadeau perso, mais c'est un beau cadeau, moi ça me ferait plaisir. Voilà, il est beau. Monsieur d'Apple, si vous écoutez. C'est waf à mort. Avis à madame. Toutes les femmes de la planète accepteraient ce design. Maintenant, moi, je vais en acheter un, mais là, j'ai pas le pognon. Donc, je vais attendre le bon prétexte qui va être la rentrée des classes 2013 en septembre. Et je sens que ma deuxième fille, à l'âge de 8-9 ans, va avoir besoin d'un ordinateur. Et ça sera. Un iMac, c'est moche. C'est moche, le cadeau bon monde. C'est ça qui va se passer. Quel est 6 à 2 balles, monsieur X. C'est pour toi, mais il est pour toi, mais je le mets dans ma chambre. En même temps, monsieur X vient de passer. Monsieur X vient de passer 20 minutes à nous expliquer pourquoi c'est des machines pour toi, pour moi, pour lui, etc. Enfin, c'est des machines qui coûtent des thunes, mais c'est de l'argent qu'on n'a pas. Donc, bon, et donc la réponse sur la config, moi, ça sera, c'est. En fait, je regarde mon budget et après, je dépense tout mon budget. Voilà, donc ça sera sans doute 16 gigas, au moins 1 tera de stockage, peut-être 3. Donc voilà. C'était la prévision foireuse de Monsieur X de la soirée. Ça, c'est fait. Le grand modèle, le grand. Ouais, on devrait aussi s'équiper à la rédaction dans pas longtemps, quand le 27 pouces sera disponible, parce que c'est pas encore le cas. Un petit coup de gueule de Tom 33R. Il dit c'est bien, mais depuis que vous avez parlé des ampoules Philips Hue dans ORLM, les Apple Store sont en rupture. Pas cool. Tout est de notre faute. Non, mais en tout cas, apparemment. Nous faisons et défaisons les ventes des Apple Store, que ça se sache. Voilà, que c'est dit maintenant, n'est-ce pas ? Vous voyez, monsieur Tim Cook, vous saviez à quoi vous en tenir maintenant. À propos de Twitter, il serait peut-être le moment de révéler le gagnant de notre concours Qobuz pour porter un casque focal d'une valeur de 200 euros. Bravo à N2CCL, j'imagine que c'est Nicolas 2CCL, à moins que ce soit une fille. Non, je pense que c'est un garçon. J'avais vu sa photo. Lui, il a été malin parce qu'il a répondu plusieurs fois, donc je vous invite à le faire. N'hésitez pas à donner plusieurs réponses, c'est valable. Il remporte donc ce casque offert par Qobuz, une valeur de 200 euros. On prendra contact avec lui sur Twitter pour qu'il reçoive son cadeau. Maintenant, place au concours de la semaine, toujours avec Qobuz. Cette semaine, notre partenaire Qobuz, le site de téléchargement et de streaming musical haute fidélité, vous offre 10 albums Studio Master en téléchargement. Une qualité d'encodage exclusive à Qobuz, proche de l'enregistrement originel et supérieure au CD. Pour emporter un de ces 10 albums en jeu, répondez à cette question. En quelle année a été présenté l'iMac ? Pour la première fois, adressez votre réponse sur Twitter, associé à l'hashtag ORLM et Qobuz. Bonne chance. Encore un cadeau bien sympa cette semaine à remporter avec On refait le Mac et Qobuz. Place maintenant à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Cédric, on est en retard. J'hésite. Mais je crois que le truc qui tue cette semaine, ça vient de mon coup de cœur presque permanent, ça vient de Sonos. C'était un de mes coups de cœur aussi, mais vas-y, allez. Bah ouais. Sonos, c'est le truc qui permet de jouer de la musique sans fil dans toutes les pièces de la maison, etc. Tu achètes un élément, deux éléments, trois éléments, multi-room. Ça coûte un bras, mais c'est super. Ça coûte pas un bras, ça coûte le prix d'une docking station, de moyenne ou de haut de gamme, et encore. Ouais, bon. Allez. On va dire que c'est à partir de 300 euros par pièce. C'est premium, c'est pour monsieur X et ses enfants, quoi. Voilà, une fois qu'il aura fini de rembourser les traites de l'iMac de sa fille. Et jusque-là, ça permet, en utilisant ton smartphone comme télécommande, quel que soit le smartphone, de jouer ton Spotify, ton machin, ta musique stockée, iTunes, quelque part sur ton réseau, etc., etc. Seul truc que ça faisait pas, c'était de jouer la musique qu'il y avait dans ton iPhone. Bah oui, tout simplement. Dans ton iPad. Alors, il y avait un dock pour iPhone qui était quand même assez génial parce que tu le connectais n'importe où, tu le branchais n'importe où et sans fil, tu pouvais partager la musique qu'il y avait dedans sur n'importe quel poste de la maison. C'était quand même assez énorme. Il fallait brancher le dock à 100 euros, c'était casse-pied. Eh bien, tu pouvais streamer la musique de ton ordi, mais pas la musique de ton iPhone. Voilà, exactement. Ou de ton Android d'ailleurs. Évidemment, avec l'arrivée d'AirPlay, les gens ont dit ah, mais il suffirait que Sonos devienne AirPlay. C'était pas si simple que ça. Alors, ils ont fait un petit kit avec
un AirPort Extreme, c'était pas génial. Eh bien, ça y est, depuis la nouvelle version qui est en train d'être poussée aux utilisateurs depuis cette nuit, il y a une nouvelle fonction dont le nom de code est Sonos Rage, qui permet, si tu es sur iOS 6 et que tu as la dernière version du logiciel, de streamer... Pardon, directement de ton iPhone, c'est le whisky japonais, directement de ton iPhone ou de ton iPad vers n'importe quel Sonos de la maison ou tous en même temps, c'est extraordinaire. C'est pas du AirPlay, c'est une technologie à eux, comme tout le reste. C'est du Canada Dry AirPlay, c'est comme du AirPlay, mais c'est aussi du whisky japonais. Mais, non, mais exactement, c'est bien. Et ça marche d'enfer, et la fonction est gratuite, il n'y a pas, voilà. Et alors, je voulais signaler, parce que je voulais aller chercher les prix quand même pour ne pas dire de bêtises, et je tombe, tout comme par hasard, sur un site, vous allez sur sonos.com/promo, et vous tombez sur une promo où pour 299€, vous avez un élément Sonos, donc pour sonoriser une pièce. Un dock, un docking station, ouais. Le petit bridge, qui normalement est vendu une centaine d'euros, si je me souviens bien. Tu vois que c'est plus cher. Et qui là vous êtes offert gratuitement, qui est en fait l'espèce de routeur Wi-Fi Sonos qui est vachement mieux une fois que vous en avez dans plein de pièces. Et pour le prix, vous avez 6 mois de Qobuz gratuit. Elle est pas belle la vie. Moi, on va arrêter avec Qobuz. C'est notre sponsor. Honnêtement, j'en aurais parlé même s'il n'y avait pas Qobuz. Donc voilà, donc je pense que ce Noël sera Sonos. Voilà. C'est important d'avoir un sponsor. Pourquoi ? Parce qu'on refait le mot que nous rapporte rien, mais il faut quand même faire tourner une structure pour produire cette émission, la monter, qu'elle soit là chaque semaine. Donc il y a des gens qu'il faut rémunérer pour ça. Une structure, tout de suite, les grands mots. Non, mais un monteur et quelques moyens techniques. Il faut clairement payer un monteur. Voilà, et c'est gratuit, on refait le mot. Pourquoi on n'a pas Sonos comme sponsor ? Il serait parfait comme sponsor. J'espère que le message est passé. Peut-être qu'il faudrait faire un On refait le Mac en version audio. Ça viendra peut-être. Ça, sondage ça sur Twitter, est-ce que vous voulez une version audio dont on refait le Mac ? On s'en repart. Pour refaire votre jogging en écoutant Cédric. Fanny, ton coup de cœur ce soir. Non, comme Rodrigo n'est pas là, je vais me lâcher, j'en ai trois des coups de cœur. Non, pitié, j'étais content. Moi, si tu mets une barbe en plus, je pars. Tu n'as pas de barbe, c'est ça. Non. Allons-y, allez, vas-y. Je préfère comme ça, regarde. Bon. Je préfère Fanny. Mon premier coup de cœur, regarde, c'est pour Oscar. C'est la première tablette pour les des 9 mois. C'est pour Oscar un grand. Il est trop petit. C'est VTech qui fait ça, c'est mieux petit. Il y a un petit trackpad, regarde, voilà. Et c'est parfaitement bilingue. Je crois pas. La tablette est bilingue. Tu vas pouvoir apprendre les animaux, les lettres, les jours de la semaine, et 19 mélodies et 6 chansons. Alors avant qu'il commence à parler, il faut déjà qu'il dorme. Ouais, je rappelle qu'Oscar a moins de 2 mois quand même, donc les tablettes. C'est à partir de 9 mois, ça arrive très vite. Je te la garde à côté, c'est 9 mois, et tu vas voir. D'accord. Non, mais ça arrive très vite, mais pour tout dire, moi, j'ai eu la discussion avec sa maman sur, à partir de quel âge est-ce qu'on lui... On est entre nous, personne ne regarde. Ça sortira pas d'Internet. Et on s'est demandé à quel âge est-ce qu'on lui met un appareil tactile dans les mains. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse définitive, mais on est assez persuadé que ça va arriver plus tôt qu'on ne le croit ou qu'on ne le voudrait vraiment. C'est lui qui va choisir. Voilà. Oui, monsieur. C'est lui. Je pense qu'à 1 an, 18 mois, tout à coup, un jour, je vais le trouver avec un Nexus ou un iPad mini dans les mains. Dès qu'il pourra la taper sur la table basse, tu verras, ça l'attrape tout seul, il n'y a pas de souci. Et demande à un ancien. Alors, plutôt le Nexus, parce que si ça tombe de la table, ce sera moins grave. Ouais, coup de cœur suivant, Samy. Allez, on avance. Il y a un responsable de chez Orange Valley, je crois, qui a eu un bébé comme ça, qui est passé sur YouTube à moins d'un an sur une tablette. Il y a une histoire. Voilà. Jean-Louis Constanza, que j'ai vu cet après-midi, bien sûr. Le patron. Mon deuxième coup de cœur. Fanny, ton coup de cœur suivant. Je vais faire un tour à le web aussi pour voir les nouveautés, les startups, les machins et tout ça. Voilà. J'en ai rencontré deux et j'ai rencontré entre autres alors Banjo. C'est une application, je ne connaissais pas, et c'est vachement sympa. Ça permet d'agréger tous ses comptes de réseaux sociaux et surtout ça te localise un peu tout le monde. Donc déjà tu peux faire tous tes tweets, Facebook, Instagram d'une seule et même appli. Tu reçois aussi toutes les notifications de tous tes amis. Et via cette application. Et donc, ça agrège tout le contenu de toutes ces applications. Mmh. Et en plus, surtout, ça localise. Donc là, par exemple, si je veux savoir ce qui se passe à Sydney, je tape Sydney. Voilà, bizarrement. Et là, ça va me dire tous les amis de mes amis ou tous mes amis proches ce qu'ils font et ce qui se passe à Sydney.
Et voilà, parce que c'est entre autres basé sur la localisation de Facebook, Twitter, Foursquare, etc. Donc voilà, intéressant, parce que avoir toutes ces applis dans une seule pour les réseaux sociaux, je trouve ça intéressant. Allez, dernier coup de cœur, deuxième appli, ouais, beaucoup plus original, c'est Bebound. Ça va permettre de faire de l'internet, de lire ses mails et justement de faire les réseaux sociaux, mais même sur du réseau 2G, du GSM. Tu veux dire, tu vas faire de l'internet sans internet? Exactement, tu n'as pas besoin de 3G ou de GPRS. C'est pas possible. Eh bien si, parce que ça se base sur une technologie qui fête ses 20 ans cette semaine, le SMS, figure-toi. Ah, le SMS, dis donc. Donc tu installes cette appli qui va avoir justement une interface simplifiée de Twitter, Facebook, tes mails, internet, etc. Et pour le prix d'un SMS et d'un... J'avais peur que tu dises ça. Si, ben forcément, il y a un moment où tu payes pour te connecter au réseau. Mais par exemple, si tu veux aller chercher tous tes mails, ça te prend ça, et que tu es vraiment hors connexion. Et en Australie, tu verras qu'il y a très peu de 3G dans plein d'endroits. Tu verras rien du tout. Et bien voilà, c'est super pratique parce que tu peux récupérer tous tes mails pour le prix d'un SMS et pareil, renvoyer tout un tas de mails ou les transférer de la même façon. Donc c'est intéressant pour les zones non couvertes. Et je crois, il y a une étude récemment qui est une petite dépêche, je crois AFP, qui est tombée récemment, disant que pour la première fois, le nombre de SMS était en baisse sensible d'une année sur l'autre. Ils sont en baisse de 3,7% par rapport au trimestre précédent, mais encore en hausse de, je crois, 17 ou 18% par rapport à l'année dernière. Donc, il faut dire la première fois, la courbe décroche un tout petit peu. Voilà, mais évidemment, c'est face usages qui arrivent. Message, WhatsApp et tous les autres. Enfin, c'est BBM, BDM, Facebook, tout simplement. Facebook, absolument. Monsieur X, ton coup de cœur. Merci Fanny, ton coup de cœur ce soir, Monsieur X. Ou tes coups de cœur. Écoute, Fanny parlait de l'Australie, ça m'a donné une idée. Un petit coup de cœur spécial australien pour toi. Non mais je peux, on peut pas expliquer. Voilà. Pas de la bonne musique australienne, ça. Alors, ouais, c'est bien. On peut pas vous expliquer. Voilà, c'est private joke, on peut pas. Fanny m'a tendu la perche en même temps, si tu veux. Comment on pourrait résumer, parce que les gens vont être frustrés, mais moi je peux pas. Voilà. Non, mais écoute, pas. Allez, on enchaîne. On en parlera en janvier alors. Voilà. Voilà. Allons-y. Alors. Ah zut. Ça se déclenche tout seul maintenant. Alors, c'est mission par un vélo. Ouais. Je pourrais vous le faire à la Rodrigo avec une interro négative d'entrée de jeu. Non, du style. Avant ça. Vous connaissez GoPro? C'est un coup de cœur pour une manière simple de transformer son iPhone en caméra pour faire des exploits sportifs. Donc à l'instar de ces caméras GoPro, il y a une société qui s'appelle Mophie, M-O-P-H-I-E, qu'on connaît bien parce que c'est eux qui font des batteries qui permettent de doubler le cycle de vie de batterie de vos iPhones, qui alors va sortir un produit qui s'appelle Outride Case, Outride, Outride.com, et ils sortent quoi? Un petit boîtier qui enchasse votre iPhone et transforme votre iPhone en petite caméra que vous pouvez mettre sur votre casque quand vous faites du ski, exactement comme une GoPro. Moi, je ne saute pas en parachute avec mon iPhone sur le casque. Le double avantage de ça, ou le triple avantage de ça, vous achetez pas un produit en plus comme une GoPro. Bon. Ouais, le résultat. Hein. C'est pas très cher. Bonjour le résultat, voilà, on le voit mieux là. Ça devrait sortir aux alentours de 100 € en France. Ah ouais, quand même. Ouais, mais c'est pas très cher pour une GoPro de qualité équivalente au niveau de la caméra. Et puis en plus, ça rajoute, ce petit boîtier, une fonction grand angle à votre iPhone. Allez voir le site internet. Le produit n'est pas encore tout à fait dispo, mais il y a les premières vidéos faites avec ce boîtier Outride que vous rajoutez à votre iPhone 5. Alors le seul défaut, avant qu'on puisse le tester, déjà avec une GoPro, quand on faisait du ski ou du skateboard, ça nous est pas arrivé depuis des années, sur la tête, on avait un peu l'air d'imbécile, mais alors là, carrément, avec son iPhone sur la tête pour faire du ski, ça risque d'être un peu too much. Mais le concept est bon, et puis on attend aussi de Mophie, un petit clin d'œil à eux, qui nous sortent enfin la batterie externe pour iPhone 5. Dépêchez-vous, ça devrait être un très beau coup de cœur aussi pour Noël. Alors mon coup de cœur de mon côté, c'est pas un coup de cœur, c'est un coup de gueule, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça, messieurs? C'est la souris d'Apple qui est livrée avec les iMac. C'est juste n'importe quoi. Moi, c'est indigne d'Apple, ça. C'est n'importe quoi, parce que le tactile là-dessus... Enfin bon, moi, ça fait deux ans que j'utilise et...
et je me prends toujours la tête pour naviguer dans macOS. C'est quand même sympa, mais pour travailler, faire un petit peu d'InDesign ou voilà, non, c'est voilà. Donc changez-nous ça vite, c'est plus possible, c'est juste pas possible. Voilà, c'est dit. Et puis autre chose, autre coup de cœur, cette fois c'est un vrai, pour une entreprise corse, c'est rare pour le souligner. Ça s'appelle Diloufas, un service bien sympa, ça s'appelle Diloufas.com. C'est un service qui vous propose de gagner des bons d'achat valables chez les commerçants partenaires de votre région, donc c'est dans toute la France. Une sorte de solution de couponing, si vous voulez, à la Groupon, et qui cible votre région et vos commerçants de quartier. Vous pouvez échanger aussi vos coupons avec vos petits camarades via les réseaux sociaux, et vous gagnez ce qu'on appelle des soldis, c'est l'argent local. Une belle manière de soutenir le commerce de proximité face aux géants du web. Voilà, une belle idée, d'autant plus qu'elle vient de mon pays, donc je suis content, bravo à eux. Et en plus, l'appli mobile vient d'arriver sur iPhone et Android, ça s'appelle Diloufas. À propos voilà. De ciblage, tu feras attention, parce que reste pas trop devant la fenêtre quand même. Oh, c'est bas, c'est vrai. Allez, merci messieurs d'avoir participé à ce 21e numéro d'En Refait le Mac. Vous retrouvez Cédric dès samedi dans plein écran à 14h10 sur LCI. Qu'est-ce qu'il y a au programme samedi, Cédric ? Eh bien, il y a le web 2012, où on vient de passer déjà 2 jours. Attends, c'est pas fini. Bah oui, mais enfin, c'est la semaine non plus n'est pas finie. On enregistre cette émission le mercredi soir, donc moi je vais quand même travailler d'ici samedi. Ah bon, non. Et voilà, où vous verrez toutes les meilleures startups de la compétition des startups de le web cette année. Bien. Merci Cédric. À samedi sur LCI. Vous retrouvez Fanny toi, chaque semaine dans Refait le Mac et sur son Twitter. Fanny's Party, la prochaine, c'est pour quand, Fanny ? C'est lundi soir, c'est la soirée geekette entre filles. Non, les garçons arrivent une petite heure après et c'est au Secret Square. Bon, j'essaierai d'être en avance pour une fois. Merci Fanny, à lundi donc. Et Monsieur X, vous retrouvez chaque semaine sur son Twitter et chaque jour sur son Twitter. Hâte trop, Mysteries, quant à Rodrigo, bah, il sera là j'espère la semaine prochaine. Ne ratez pas l'émission de la semaine prochaine. Les deux prochaines émissions, ce sera deux émissions spéciales. En théorie, si on les fait, mais je pense qu'on y arrivera. Ce sera des rétrospectives de l'année. On essaiera de faire revivre les grands événements de l'année, prendre un petit peu de recul, un peu d'analyse. Ça fait pas de mal de temps en temps. Avant de prendre des vacances bien méritées en Australie. Voilà, c'est dit. À la semaine prochaine et bonsoir.